Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Movistar Planète. Attendez, je mets bien le micro, voilà. Donc en fait c'est un challenge de Francesca qu'on va faire dans cette vidéo qui s'appelle le challenge Chisca, voilà. Et j'ai regardé sa vidéo, j'ai trouvé super cool l'idée et ben ça m'a donné une autre idée en fait, tout simplement, puisque je trouve que les challenges sur MSP, il n'y en a pas assez. Ou du moins, peut-être que moi, j'en connais pas forcément beaucoup. J'avais fait le challenge de Gaïci. Et maintenant celui de Chiska, j'espère que je vais réussir dans cette vidéo. Et en fait, je me suis dit, mais c'est dommage qu'il n'y a pas plus de challenges. Et pourquoi ce serait pas... Enfin, je veux dire, voilà, j'ai quand même plusieurs abonnés. Ça fait super plaisir. D'ailleurs, si tu regardes ma vidéo et que t'es pas abonné, abonne-toi, c'est gratuit. En fait, j'aimerais bien un petit peu, entre guillemets, donner la possibilité à des personnes qui n'ont pas forcément de chaîne YouTube ou pas forcément... voilà la possibilité de partager leur challenge, de le faire maintenant. En fait, j'ai ouvert une nouvelle boîte mail qui s'appelle challenge sur MSP. @gmail.com, je vous mettrai l'adresse mail dans la description pour pas que vous vous trompiez et vous pouvez m'envoyer vos challenges et puis voilà, donc en gros le nom de vos challenges, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir le challenge, etc. Bien sûr, je prendrai uniquement les challenges qui sont intéressants, rigolos, originaux, etc. etc. et je les ferai en vidéo et en même temps voilà, j'expliquerai comment faire le challenge, etc. etc. pour que d'autres personnes puissent faire le challenge ou peut-être même voir d'autres youtubeurs, etc. Donc n'hésitez pas à envoyer vos challenges sur cette boîte mail. Je choisirai les plus intéressants, voilà, donc soyez originaux. Et bah écoutez, c'est parti pour le challenge de Francesca. Je mettrai également la vidéo de Francesca pour son challenge si vous voulez le faire également. Puisque forcément elle explique mieux que moi son challenge que moi dans cette vidéo. Même si je vais vous expliquer un petit peu les étapes. Alors pour la première étape. Parce que je me suis noté un petit peu tout, parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes, hein, dis donc, Francesca. Alors, pour la première étape, il faut changer la couleur de peau. Donc, il y a une version VIP et non VIP. Donc, moi, je fais la version VIP, parce que je suis VIP. Pour les gens qui ne sont pas VIP, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Francesca, où elle explique également la version non VIP. Je vais essayer aussi de la redire dans cette vidéo-là. Mais je pense que je vais zapper certaines infos pour les non-VIP, donc c'est pour ça que j'invite fortement à aller voir sa vidéo. Donc pour commencer la première étape, il faut choisir une couleur de peau, mais assez particulière, puisque la couleur de peau, pour les VIP, ce sont des couleurs type rose, violet, vert ou bleu. Donc elle a le choix entre les quatre là. Alors je vais voir un petit peu, moi-même je ne sais pas encore quoi prendre, j'adore le rose, mais je trouve que le violet c'est peut-être, voilà, un peu mieux. Ça c'est quoi? C'est un peu bleu? Oh, quoique, bleu, quoique, celui-ci pourquoi pas? En vrai, vous savez pourquoi? Parce que je me dis que tout le monde va prendre le rose ou le violet forcément, peut-être que le vert et le bleu sera moins utilisé pour ce challenge. Et aussi également parce que vu qu'on est dans une saison un peu glaciale, you know, et que du coup bah, ça va faire... Ça va rentrer dans le thème, me dire qu'en fait on est congelé. Voilà, congelé, la congélation totale du personnage. Donc personnage congelé, on met la peau bleue. Voilà, donc première étape, on a choisi de partir sur une couleur bleue. En vrai, moi j'aime bien. Ensuite, il faut faire un look assorti, donc pas forcément total bleu, mais un look assorti avec le bleu de la peau. Donc je pense que tout ce qui va avec le bleu, type le blanc bleu, faire un look blanc et bleu, ça peut être cool. Ou je sais pas, moi, qu'est-ce qui va bien avec le bleu? Bah, le noir, ça va un peu avec tout aussi. Je crois que le rose aussi, ça passe en vrai. Mais on va les voir, on va les voir, on va aller dans les vêtements, on va en profiter en même temps pour découvrir le dernier thème. Parce qu'on est jeudi au moment où je tourne la vidéo. Et du coup, il y a un nouveau thème que je n'ai même pas eu le temps d'aller voir. Donc pourquoi pas faire quelque chose avec le new theme? Voilà, donc on va tout enlever. Voilà, on va se mettre à walper. Déjà qu'elle est congelée, la pauvre, hein, elle va pas avoir plus chaud comme ça. Donc pour le thème, Nordic Winter. pourquoi pas un bonnet, puisqu'elle est congelée, elle a froid. Mais c'est vrai que le gris, ça va bien avec le bleu. En vrai, ça passe. Bon, il faudra changer le make-up, mais ça, c'est dans une autre étape du challenge. Mais en vrai, j'aime beaucoup. Ouais, le gris et le bleu. Gris, blanc. Ouais, pourquoi pas un look blanc, bleu, gris. Trois couleurs qui vont bien ensemble. Bah écoutez, je verrai bien pour changer les couleurs après. On va peut-être d'abord faire. Hey, on dirait pas une alien comme ça. C'est surtout à cause des sourcils en fait que je dis ça en vrai. Pour la coupe, oh, elle est sympa celle-ci. Mais en vrai, elle va pas avec le bonnet.
elle va pas avec le bonnet. Oh, il y a ça. Oh là, 1200 starcoins. Ils ont pas un petit peu craqué, 1200 starcoins. Oh, c'est cher. Ça, c'est sympa aussi. Mais bon. Ouais, regardez, blanc, gris, bleu. Même le loup juste gris, blanc avec le bleu, ça pète. Hein. Ça, c'est quoi? C'est pour la tête? Non, je préférais le bonnet, moi. On va remettre le bonnet quand même. Hein. Voilà, le petit bonnet de famille. En vrai, les couleurs sont vachement sympas. Je sais pas si je vais rester sur cette veste-là. On va voir un petit peu plus loin ce qu'il y a, ce que nous propose. Par contre, cette diamant pour une robe aussi basique... moyen, Movie Star Planet, moyen. Un petit sac, pourquoi pas? Pourquoi pas un petit sac? En plus, il est pas VIP, le sac, ça, c'est cool. Je vais faire ces chaussures-là, en vrai. Ça aussi, c'est sympa. Non, franchement, il y a des trucs vachement cool dans ce thème-là. Bon, le problème avec ce bonnet, vous voyez, c'est que du coup, la plupart des coupes ne matchent pas avec le bonnet. Et ça, c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu la chiantise, quand même. Hein. Et ça, je dis rien. Mais on va voir un petit peu plus loin. Ouais, non, parce que vous voyez, les cheveux, ils dépassent du bonnet. Ça le fait pas. Ça, j'aime pas cette coupe. J'aime pas du tout cette coupe. Je sais pas pourquoi. J'ai un problème avec cette coupe. Alors là, nous avons des collants blancs. Donc, ça fait un peu chaud. Et si on mettait... Ouais, non, du bleu, ça ferait genre bizarre, non? Oh, c'est trop bizarre. Du gris, peut-être. Du gris noir. Ouais, bref. On verra pour les couleurs après, comme j'avais dit. Mais je suis pas sûre de vouloir rester sur cette veste. Même si, en vrai, ça rend bien. Et après, on passe sur le thème de Glitter Gang, qui était pour le nouvel an. Et que je n'ai pas pu profiter. Voilà, honnêtement, j'ai pas pu en profiter. Bon, est-ce qu'on reste sur le bonnet du coup ou on se concentre plus sur une coupe de cheveux? Je sais pas. Alors, est-ce qu'on va mettre genre des cheveux bleus? Ou non, tiens, des cheveux blancs. Ça irait genre trop... Oh, franchement, ça pète. Et ça, on met peut-être pas du bleu, peut-être du gris. Ouais, du gris. Pas du noir, du gris foncé. Tiens, voilà, du gris foncé. Ouais, non, c'est presque noir, on va mettre le gris. Oh mon dieu, trop la fille indécise que je suis, quoi. Bref, élastique gris, la coupe, j'aime bien. Je valide la coupe. On va peut-être... bah, le sac, on va changer de couleur, si on le garde. Je pense qu'on va le garder. Oh mon dieu, on dirait un peu une alien. La veste, j'aime bien. Les collants, je suis pas fan. Les chaussures, peut-être que je préférais quand même les premiers. On va retourner sur les premières chaussures. Qui était celle-ci. En blanc, ça fait bien. Là, je suis assez satisfaite du look. On va voir le panier et on va changer la couleur du sac qui ne va pas du tout. Alors, est-ce qu'on part sur un bleu clair comme ça? Genre un bleu blanc? Il faudrait genre un bleu blanc comme un peu la couleur de sa peau. Ça va être difficile à récupérer. Enfin, je sais pas comment dire, à refaire la couleur là. Peut-être plus dans les tons là, comme ça. Oh, quoique, ouais, celui-là, il est plutôt pas mal, je trouve. Après, c'est du blanc. Je sens un petit peu tristounet de reprendre du blanc. Ça, et ça, je vais mettre plutôt de l'argenté. Ça fait trop noir, donc on va prendre celui-ci. Voilà, les cheveux, on a dit que c'était bon. Pour les chaussures, est-ce qu'on part sur des chaussures peut-être un peu grises, comme ça? Ou sur des chaussures blanches. Quoique j'aime bien en blanc, ça fait un peu vintage. Et ça, on va prendre hop comme ça. Pour le haut, sorte de... Ouais, c'est cher quand même, 1200 starcoins. Mais en vrai, c'est... Ah oui, il y a juste les chaussures qui sont VIP en vrai. Et ça, c'est cool parce que si vous voulez récupérer le look, vous aurez juste pas les chaussures. Donc franchement, ça va. Pour le haut, en fait, j'aime bien le fait que la veste soit grise. J'aime beaucoup. Mais est-ce qu'on reste... on garde le pull? J'ai pas envie de remettre du bleu pour le pull parce que ça va trop être proche de la couleur du sac. Et ça va faire trop... Un rappel trop... Trop rappelotique. Hein. Donc, c'est pas très le français non plus. Mais vous me connaissez, moi, le français, ça fait deux. Est-ce qu'on part sur quelque chose de foncé, peut-être? Genre un gris? Ouais, non, gris. Non, on va rester sur le blanc. Moi, j'aime bien comme ça. J'aime bien, j'aime beaucoup. Donc, on va acheter ce look-là et on va partir sur ce look-là. On va d'ailleurs le mettre directement ici. En vrai, j'aime bien ce look.
Le pire, c'est qu'à la base, dans ce challenge-là, chose qui est assez importante de retenir, c'est que le look que vous allez faire, vous êtes obligé de le garder pendant 48 heures, enfin pendant 2 jours, quoi. Et à la base, j'étais partie en me disant, ouais, je vais devoir garder le look, ça fait genre bizarre, pas forcément moche, mais chelou, quoi. Et en fait, j'aime bien. Donc merci, Francesca, parce que j'aime bien. Alors attendez, on va tout enlever, on va remettre le look juste... que je viens de faire. En fait, il y a juste 4 éléments. En vrai, ça a été assez vite. Voilà. Donc, pour le look assorti, c'est bon. Maintenant, il faut assortir le visage au look et à la peau. Donc, on va repartir dans la clinique beauté. Et non pas le clinique beauté à Francesca. du coup, moi, j'aime beaucoup ça. Mais le problème, c'est que c'est vrai que j'ai pas de frange. Et du coup, sans la frange, ça va faire bizarre d'avoir des yeux sans... Comment dire ? Sans les sourcils, en fait. Donc, pour les yeux, on va peut-être d'abord partir sur un fard. Parce qu'il est rouge et du coup, ça choque un petit peu plus. Mais en vrai, j'aime beaucoup celui-ci. Il me semble que c'est celui-ci-là. Et j'aime beaucoup, j'ai envie de reprendre le même, mais faire une version bleue. Parce qu'il y a aussi celui-là qui est sympa. Mais non, je préfère l'autre. Je préfère celui-ci. C'est celui-ci que j'ai fait le rouge, je crois, avec... Et on va faire une version bleutée. Est-ce qu'on part sur du bleu foncé ou du bleu peut-être un peu plus subtil? Bah déjà là, ça fait très beau. C'est vrai que le violet, ça a sorti au bleu. Mais vu que la plupart du look, c'est du blanc-gris-bleu, on va rester sur du blanc-gris-bleu. Alors là, on va peut-être mettre du blanc. Est-ce que... Je sais pas trop... En vrai, comme ça va, je trouve. Ouais, un petit peu de noir, une petite pointe de noir, pour un petit peu accentuer le regard. Et je suis plutôt satisfaite de ce petit fard à paupières. On va déjà le valider. Comme ça, je ne le perds pas. En vrai, limite les yeux, on pourrait garder les mêmes. Mais comme j'ai dit, c'est juste les sourcils qui me dérangent un petit peu. En vrai, je pourrais même récupérer les sourcils de l'hiver, ceux-là. Mais en vrai, je suis pas une grande fan. En vrai, je suis pas une grande fan de ces yeux-là. Et c'est ça qui me... Bon, est-ce qu'on part sur des yeux comme ça? Mais le problème, c'est qu'il y a certains yeux, si on change la couleur, vous voyez, ça fait pas ouf, quoi. Ça fait pas des yeux de ouf, quoi. Ça fait pas des yeux de ouf. En vrai, je préfère ceux-là. Ça, j'aime bien la réaccentuer, mettre du noir. Pour accentuer le regard. On va tenter avec des bleus, des yeux bleus. Ouais, non, je préférais le bleu foncé au niveau de la couleur. C'était lequel que j'avais. Celui-là est sympa aussi. Au pire, tant pis, on ressemblera comme à une alien, mais c'est pas grave. Il y a bien des filles qui n'ont pas de sourcils, ça leur va bien. Oh. Alors, pour la bouche... Attends... Ah oui, c'est la bouche qui va bien avec l'autre. Et si on essayait comme ça? On va essayer. On va essayer de voir ce que ça donne. Mais en vrai, comme ça, vu de loin, on voit pas les paillettes. Enfin, les paillettes, je crois que c'est censé être de la neige. Mais comme ça, vu de loin... Ah non, si c'est bon, elles sont apparues. Je suis pas une énorme fan. Je vais peut-être plutôt prendre cela et faire un... En vrai, en blanc, ça le ferait. Genre, ça ferait un peu genre lèvres congelées. Ou le sorte de bleu clair. C'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Pour la bouche, je vais essayer. J'aime bien. J'aime bien, mais du coup, j'ai envie de mettre des yeux plus clairs. Et si on mettait la... Ouais, ceux-là, ils pètent. Ils sont un peu plus foncés que ceux-là. Ah ouais! Mais du coup, le fard à paupières, ça me plaît plus. Oh mon dieu. Il est trop foncé. Pourquoi ça met jaune là? Je voulais pas le jaune, moi. On va essayer de récupérer blanc. On peut laisser blanc. Est-ce qu'on met du noir? Ouais, comme ça, c'est bien. Ok, on va mettre celui-ci, du coup. Je suis trop indécise, mais en vrai... Oh.
Alors, tu changes? Ouais, c'est bon, ça a changé. Franchement, j'aime bien. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Je vais laisser comme ça le nez, ça sert à rien de changer, parce que bon, un nez, c'est un nez, quoi. On peut pas changer la couleur du nez. On peut même pas changer la couleur du piercing, et ça, c'est dommage. Ok, donc nous avons fini actuellement le look global du petit personnage. Et on va finir le challenge, il y a plusieurs petites étapes pour finir le challenge. Alors, l'étape numéro 4, c'est aller dans une salle de chat. Donc techniquement, il faut aller dans plusieurs salles de chat. Moi, je vais le faire que dans une seule parce que malheureusement, je lagouille. Il est tôt quand même, encore aujourd'hui, il est presque 21h. Je risque de laguer. Donc, il faut aller dans une salle de chat et faire le hashtag challenge Chiska. Voilà. Moi, je me vois pas. Et une madame, là, devant moi. Ouais, je vais le mettre là. Oh, j'aime bien mon personnage. Regardez, par rapport aux autres personnages, je suis vachement originale, hein. Il y a qu'est-ce qu'il a dit? J'ai cru qu'il a dit t'es moche. Non, je sais pas, j'ai rêvé. Voilà, et... ensuite, il faut aller créer un artbook. Donc moi, je vais créer un artbook. Et pour l'artbook, il faut utiliser une couleur assortie comme fond. Donc bon, moi, ce sera soit du blanc. Donc limite, je peux le laisser blanc comme ça. En vrai, je pourrais laisser le fond blanc comme ça. Mais bon, ce serait pas drôle. Ou du gris ou du bleu. J'aimerais bien quand même faire un beau truc, quoi. Parce que... Voilà, donc je vais créer... Ça peut être sympa, ça, c'est dans le thème, quoi. C'est vachement dans le thème. C'est chaud, le rose qui me dérange un tout petit peu. On va voir s'il n'y a pas un autre truc qui pourrait faire l'affaire. Bon, je rappelle, moi, j'ai choisi la couleur bleue et je regrette absolument pas. Je trouve, genre, trop bien. Mais en vrai, la couleur, là, ça... Non, je pense que je vais rester sur celui-ci parce que ça rentre tellement bien dans le thème de mon personnage. Je vais rester là-dessus et je vais ajouter mon petit personnage dessus. En vrai, même avec cette animation, ça claque, hein, regardez. On a l'impression que c'est du vent, mais en fait, c'est de la magie. Mais genre, je pourrais être un personnage qui fait la magie de la glace. Et du coup, bah, je vais mettre mon petit personnage. Bon, je vous ai épargné tous les petits lags, etc. pour faire le harabou, du coup. Voilà, j'ai fini, donc voilà. Oh non, j'avais fait le truc tout bien, j'avais fait exprès, j'avais mis des espaces et tout pour que le challenge s'affiche super bien. Et en fait, ça s'affiche pas comme dans je voulais que ça s'affiche. Bref, mais bon, c'est pas grave, voilà, le harabou qui est créé. Challenge Chiska, voilà. Et ensuite, il faut faire dans le que fais-tu. Donc on va faire, hop, pour moins lagouiller. Il faut marquer dans son que fais-tu. Challenge Chiska est passé par là. J'ai fait un petit smiley. Et ensuite, il faut aller sur le livre d'or de Francisca. Je pense que ça c'est super important. Merci, je suis allée dans mon profil. C'est super important pour que bah, justement elle puisse voir que vous avez fait son challenge et qu'elle puisse voir un petit peu ce que vous avez fait. Donc on va sur le profil de Francisca. On va dans son livre d'or. Donc c'est écrit sur le mur de Francisca. On est d'accord, c'est bien ça le livre d'or. Il me semble que ouais. Et on va écrire sur le mur. Sur le mur? C'est pas sur le mur qu'il faut aller, c'est là-dedans. Voir les commentaires. Ouais, c'est ça, challenge. Ah voilà, donc vous voyez. Plusieurs personnes qui ont déjà fait le challenge. Donc challenge Chiska. J'avais noté réussi. Et on va faire son smiley. Il me semble que c'était ça. Son smiley. Ou c'est avec un tri. Mais j'espère que ça ira. Si, je crois que c'est ça. Parce qu'elle l'a fait aussi, la pinette. Voilà. Donc, on va mettre le petit challenge Chiska réussi. Et on va aller voir... est-ce que ça s'est envoyé? Oui, ça s'est envoyé. C'est Yoko. Je vois qu'elle a fait un truc super joli. On va juste voir comme ça. Ah, elle m'a demandé en ligne. Bah tiens. Je vais en profiter pour lui envoyer une petite demande. Voilà. Donc elle a fait le look et franchement ouais, elle a super bien réussi, hein, félicitations. Enfin en tout cas moi personnellement je validerais, il est super bien son look. Et dernière étape pour finir le challenge, c'est tout simplement, je pense chose logique, de créer le look en soi-même avec le petit hashtag du challenge Chiska, voilà. Donc moi je vais créer le nouveau look avec bah, du coup bah, mon look actuel, voilà.
Normalement, je le porte déjà, puisque là, j'avais changé déjà dans mes habits. Mais hop, vu qu'on est obligé de faire un truc de ce genre-là, voilà. Et on va marquer hashtag challenge Shiska. Et voilà, et on enregistre. Voilà, donc c'est bon, j'ai fini le challenge de Francesca. Bon, j'espère qu'elle validera mon challenge, hein. Donc Francesca, n'hésite pas à me dire en commentaire si j'ai réussi ou pas ton challenge. Bon, moi, je suis contente, hein. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà, c'est très original et j'ai beaucoup aimé faire le challenge, donc c'est vachement cool. Et encore une fois, je rappelle, comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à envoyer sur l'email qu'il y aura dans la description. Il me semble que c'est challenge sur MSP. Je vais appeler comme ça la boîte mail @gmail.com pour proposer de nouveaux challenges. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Gros bisous à vous. Ciao, ciao.